Salut, je suis à Setúbal, c'est une ville au Portugal. Comme vous pouvez voir, il fait super beau, il fait super chaud. Aujourd'hui, j'ai pris le train un matin de Lisbonne jusqu'à Setúbal pour éviter le trafic puis les routes en congestionnées. Fait que ça s'est super bien passé le train, c'était assez rapide, puis là j'ai dîné. Puis là, je suis prêt à aller prendre la traversée pour aller de l'autre côté. Ou que là, une longue route m'attend, puis je vais pouvoir aller sur des sites de camping. Parce que ici, la densité de population est quand même assez élevée. Fait, comme vous pouvez voir, au Portugal, c'est super joli. Il y a des super de beaux arbres, ça sent super bon. Puis comme vous pouvez voir, sur les pierres, c'est vraiment très joli. C'est vraiment comme ça partout dans la ville. Puis vous pouvez voir au sol, c'est des petites pierres comme ça tout le temps, tout le temps. C'est vraiment, mais vraiment super joli. Puis ça ici, ça c'est mon vélo. C'est sur ça ce que je vais naviguer tout au long de mon voyage. Ça c'est mon sac à dos que je porte vraiment tout mon stock plutôt de valeur à l'intérieur. Mes sacoches avant c'est pour le stock de cuisine, camping. En arrière j'ai ma bouffe puis mon linge. Puis j'ai ma tente dessus. C'est ça que là. Fait que pour la vue du cockpit, j'ai bidon, miroir, super pratique. Coucou. Porte-carte, vraiment pratique. Puis en dessous, j'ai mon GPS qui m'indique les positions que je peux aller. Puis mon compteur. Yeah. Fait que c'est ça. J'ai l'annonce du bon temps pour le reste de la semaine. Fait que ça devrait bien se passer, j'ai hâte. Fait que là, enfin, je vais pouvoir aller dans les champs puis rouler dans des beaux paysages. Je suis content parce que les gens sont un peu plus gentils maintenant. Ils sont un peu moins bêtes. Fait que là, le traversier arrive, je vais aller le prendre. Salut! Ouais, je suis au Cap Saint-Vincent! C'est la pointe sud-ouest. Du Portugal complètement. L'eau est un petit peu froide, mais bon, ça va quand même. Ça compense avec la température qui est quand même assez chaud au soleil. Là, il est 5h30, il est un peu tard. Il y a un camping juste à côté, je vais aller m'installer là. Parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose pour me cacher dans les arbres. Comme on peut voir, on va une super belle plage. J'allais bientôt souper, j'ai quand même assez. Wow, ça a mouillé un peu. Ça fait super bien de se plonger les deux pieds dans l'eau. Fait que je vais vous laisser sur les dernières images de la plage.